Dans la première partie, nous avons vu comment l'Europe a été peuplée par des chasseurs-cueilleurs depuis 45 000 ans. Nous avons vu que les données génétiques de ces anciens chasseurs-cueilleurs, publiées dans des revues scientifiques reconnues, ont montré que ces Européens d'il y a 45 000 à 8 000 ans avaient principalement une couleur de peau sombre et des yeux bleus, et qu'ils appartenaient à des haplogroupes I ou C, minoritaires en Europe actuelle, sauf en Scandinavie et aux Balkans. Nous avons vu qu'il y a 8000 ans, un grand bouleversement culturel et génétique s'est produit en Europe. Ces anciens Européens autochtones qui avaient assimilé ou remplacé l'homme de Néandertal ont été eux-mêmes en grande partie assimilés ou remplacés par des populations de fermiers agriculteurs venus d'Anatolie. À partir de 8000 ans, des gènes de teint plus clair commencent progressivement à apparaître en Europe. Que s'est-il passé il y a 8000 ans avant le présent? Au Moyen-Orient, dans le croissant fertile, une population, les Natufiens, il y a 12 000 ans, ont commencé à domestiquer les plantes et les animaux. L'invention de l'agriculture est la plus grande révolution que l'homme moderne a connue et qui changera à jamais le destin de l'humanité. Une nouvelle ère commence, le néolithique, ou l'ère de la pierre polie. L'homme ne dépend plus entièrement de la nature, mais produit lui-même sa propre nourriture pour assurer sa subsistance. Pour plus de détails concernant cette période charnière, consultez ma vidéo qui traite ce sujet. Un véritable changement de culture et de mode de vie qui engendrera un boom démographique et un besoin de migrer vers d'autres lieux pour exploiter de nouvelles terres et trouver de nouvelles zones de pâturage. La diffusion de cette nouvelle culture a été très rapide. 9000 ans avant le présent, elle atteint l'Anatolie, puis vers 8500 ans, traverse le détroit de Bosphore pour atteindre la Grèce et les Balkans. Les données génétiques provenant de l'analyse d'ADN ancien confirment qu'il ne s'agit pas d'une simple diffusion culturelle de proche en proche, mais de véritables migrations de populations provenant d'Anatolie ayant adopté l'agriculture et la domestication des animaux. Ces nouveaux agriculteurs, fermiers et migrants, qui ont suivi la même route que la grande vague de migration de 2018, apportent avec eux une nouvelle culture, un nouveau mode de vie, mais aussi de nouveaux gènes qui vont bouleverser à jamais le mode de vie ancestral des chasseurs-cueilleurs, mais aussi leur structure génétique. Rien n'est plus comme avant. L'analyse de l'ADN ancien des agriculteurs du néolithique de l'Europe centrale et des Balkans montre qu'ils possédaient une peau claire, mais pas les yeux bleus. Comment expliquer cela? Dans une étude parue dans PNAS en mars 2014, des chercheurs de l'Université de Pennsylvanie aux États-Unis ont émis l'hypothèse que le nouveau régime alimentaire, principalement céréalier, a engendré une carence importante en vitamine D. Ces agriculteurs ne mangent plus autant de viande, de poissons et du foie d'animaux que leurs ancêtres chasseurs-cueilleurs. La sélection naturelle a favorisé aussi bien une peau plus claire pour absorber les rayons UV, pour assimiler la vitamine D, qui a une plus grande tolérance au lactose pour mieux digérer le lait riche en vitamine D. Le phénotype peau claire est donc une fascinante réponse au mode d'alimentation et climat de l'habitat de l'individu. Les anciens chasseurs-cueilleurs d'Europe et ce nouveau migrant du néolithique étaient séparés géographiquement depuis plusieurs dizaines de milliers d'années. Il s'agit donc de deux populations très différentes, aussi bien culturellement, génétiquement et aussi phénétiquement depuis un grand nombre de générations. Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, les chasseurs-cueilleurs étaient en bien meilleure santé. Les agriculteurs souffraient plus souvent de malnutrition et étaient davantage touchés par les maladies dues à leur mode de vie et à la promiscuité avec les animaux domestiques. En plus de maladies dues au régime alimentaire céréalier, riche en glucides tels que le diabète, les caries dentaires, mais encore plus graves, de maladies virales, bactériennes et parasitaires transmises de l'animal à l'homme. La contagiosité de ces maladies, amplifiée par le mode de vie de ces fermiers du néolithique qui vivaient en plus grand groupe, contrairement aux chasseurs-cueilleurs.
Le contact entre ces migrants fermiers et les chasseurs-cueilleurs a probablement permis la transmission des maladies aux populations autochtones qui n'étaient pas immunisées contre ces nouveaux microbes et virus et avaient très peu de chances d'en réchapper. C'est ce qui s'est produit chez les Indiens d'Amérique après la conquête espagnole au XVIe siècle. Les pathogènes importés d'Europe ont décimé les populations autochtones d'Amérique qui avaient domestiqué très peu d'animaux. En seulement 100 ans, 80 à 90% de la population succombe à diverses maladies telles que la rougeole, la varicelle, la grippe et la variole. On estime que plus de 60 millions de populations amérindiennes ont été exterminées à la fin du XVIe siècle. Les Espagnols ont conquis les Amériques non pas par leurs armes, mais par leurs microbes et virus. Le même phénomène s'est probablement produit il y a 7 500 ans avec l'arrivée de ces nouveaux migrants qui vivaient en promiscuité avec les animaux domestiques. Mais ce n'est pas le seul facteur qui a facilité la chute démographique des chasseurs-cueilleurs et le boom démographique des cultivateurs anatoliens. Contrairement aux femmes chasseuses-cueilleuses qui ne pouvaient en moyenne avoir qu'un seul enfant tous les 3 à 4 ans, la consommation du lait animal, le régime alimentaire riche en graisse et en glucides ont permis aux femmes fermiers d'allaiter moins longtemps et donc pouvaient être fécondes chaque 1 à 2 ans. Comment se sont déroulées les interactions avec les populations locales de chasseurs-cueilleurs? Il s'agissait d'une véritable migration de populations originaires du nord d'Anatolie qui, en seulement quelques milliers d'années, ont colonisé une grande partie de l'Europe pour atteindre la péninsule ibérique et l'Afrique du Nord en seulement quelques milliers d'années. Il y a 7 500 ans, un grand bouleversement de la structure génétique des Européens s'est produit. Contrairement aux chasseurs-cueilleurs qui appartenaient surtout à la plus groupe I, ces fermiers anatoliens appartenaient principalement à la plus groupe G2A. Un haplogroupe chez qui les allèles de la peau claire sont très fréquents. Ötzi, l'homme de glace d'il y a 5 000 ans, dont le corps momifié presque intact a été découvert, enfoui et préservé dans la glace des Alpes italiennes, en est un excellent exemple. Il a l'aspect et les gènes de ces premiers fermiers de néolithique qui ont colonisé l'Europe. Il appartient aussi à l'haplogroupe du chromosome Y G2A. Une étude parue dans Science Advances le 29 mai 2020 résume le processus de métissage qui s'est produit en Europe après l'arrivée de ces agropasteurs anatoliens il y a 7 500 ans. L'étude génétique de 101 restes humains de cette période, s'étalant de 9 000 à 5 000 ans avant le présent, montre des degrés variables de métissage en Europe selon les régions, avec une disparition progressive de la composante chasseur-cueilleur aux dépens de la composante néolithique. Voici comment s'est déroulé ce changement, cette assimilation et ce remplacement des populations de chasseurs-cueilleurs par les agriculteurs anatoliens selon les régions et selon le temps. Des données archéologiques montrent parfois des violences, comme dans le charnier d'Erxheim, dans le sud de l'Allemagne. Il y a 7 000 ans avant le présent, 1 million de fermiers de Néolithique semblent être morts dans des violences inouïes. Mais dans bien des endroits, la cohabitation semble être pacifique. Des chasseurs-cueilleurs ont vécu à côté de fermiers de néolithique pendant plusieurs siècles. D'autres études parlent de préférence pour les femmes chasseuses-cueilleuses pour des hommes fermiers. L'Europe est vaste et il semble y avoir autant d'interactions différentes que d'endroits différents. Des interactions pacifiques dans certains endroits et plus violentes dans d'autres. Quoi qu'il en soit, entre 8 000 et 6 000 ans avant le présent, la plus groupe du chromosome YG2A provenant d'Anatolie est devenu fréquent à plus de 62%. Cela s'est fait aux dépens de la plus groupe I des chasseurs-cueilleurs européens mâles du Mésolithique. Malgré la pénibilité du travail agricole, les maladies et les périodes de malnutrition, ce nouveau mode de vie ne cesse de gagner du terrain. Un véritable boom démographique se produit partout en Europe. Et en seulement quelques milliers d'années, et à l'exception de quelques rares endroits en Scandinavie et dans les Balkans, ce mode de vie se généralise en Europe. La révolution néolithique devient irréversible. Ce sont ces fermiers néolithiques qui ont construit les majestueux cercles de pierre d'Écosse, les dolmens d'Allemagne, Stonehenge en Angleterre, Karnak en France et d'autres grands monuments de pierre disséminés à travers toute l'Europe. La question qui se pose d'elle-même,
Les Européens actuels sont-ils issus seulement d'un mélange génétique entre les anciens chasseurs-cueilleurs et les anciens fermiers du Néolithique? La réponse, comme le montrent clairement toutes les études génétiques, est non. Un autre apport génétique, et pas du moindre, va s'additionner entre 4500 à 5000 ans avant le présent. Un apport venu des steppes d'Ukraine actuelles, un peuple de cavaliers nomades à l'aube de l'âge de bronze, va jouer un rôle très important dans la constitution génétique et phénotypique des populations européennes actuelles. Il serait même la source des langues indo-européennes, à l'origine de la majorité des langues parlées en Europe. Il s'agit du peuple Yamnaya. G2, le plus gros du chromosome Y, très fréquent au néolithique et aujourd'hui rare en Europe, mais reste fréquent au sud de l'Europe et dans les endroits relativement peu accessibles dans les temps anciens, tels que la Corse et surtout la Sardaigne. Les populations sardes sont actuellement celles qui sont génétiquement les plus proches de ces hommes du néolithique. Jusqu'à tout récemment, on croyait que les populations européennes actuelles descendent des anciens chasseurs-cueilleurs et des fermiers néolithiques. Mais les récentes études de l'ADN ancien en Europe montrent clairement que les populations européennes actuelles descendent en fait de trois mouvements migratoires passés. Les chasseurs-cueilleurs d'il y a 45 000 ans, les fermiers d'Anatolie d'il y a 8 000 ans et les cavaliers Yamnaya des steppes d'Ukraine d'il y a 5 000 ans. Que s'est-il produit exactement au début de l'âge de bronze il y a 5 000 ans? Il y a 5 000 ans, à la fin du Néolithique et au début de l'âge de bronze, un changement génétique surprenant et radical s'est produit en Europe. Ce changement a été clairement mis en évidence grâce à la génétique. Un tout nouveau matériel génétique fait son intrusion en Europe centrale et en Europe de l'Ouest. Il vient des steppes de la région au nord de la mer Noire et de la mer Caspienne. Une région où vivait un peuple éleveur de bétail, utilisant pour la première fois des charrettes à bœufs avec des roues, le cheval et la métallurgie du bronze. Toutes les études génétiques de ces dernières années montrent que les Européens d'aujourd'hui seraient issus d'un métissage entre les chasseurs-cueilleurs, les agriculteurs et les pasteurs Yamnaya de ces steppes. Une étude parue dans la revue Nature en 2015, réalisée sur un large échantillon de 95 anciens squelettes d'Europe et de Russie, a montré que ces cavaliers Yamnaya ont été à l'origine de la diffusion de la culture de la céramique cordée en Europe centrale et en Europe du Nord. Cette même étude a montré que les cavaliers Yamnaya ont contribué fortement et à des degrés divers à l'ADN des Européens d'aujourd'hui. 40 et 50% de l'ADN des Européens du Centre et des Européens du Nord, 20 à 32% de l'ADN des Européens du Sud auraient été hérités de ces cavaliers Yamnaya. Seul le génome des Sardes et des Siciliens en contiendrait très peu, respectivement 7% et 11%. Comme cela s'est déjà produit avec l'introduction de l'agriculture au début du Néolithique, avec le remplacement de l'haplogroupe masculin I des chasseurs-cueilleurs par l'haplogroupe G2A des fermiers, et il y a eu un changement génétique radical il y a 5 000 ans. Les haplogroupes R1A, R1B provenant des steppes remplacent en grande partie l'haplogroupe G2A du Néolithique. Actuellement, l'haplogroupe R, avec ses deux composantes R1A et R1B, est l'haplogroupe du chromosome Y dominant en Europe de l'Ouest. Comment se fait-il que le changement génétique soit aussi radical et en si peu de temps? Ces cavaliers Yamnaya ont presque entièrement effacé l'héritage génétique des anciens fermiers d'Anatolie, qui ne persistent plus que dans des endroits qui étaient peu accessibles il y a quelques millénaires, comme la Sardaigne et la Sicile. Plusieurs hypothèses ont été avancées par les chercheurs. Imaginez un peu un peuple qui soudainement invente ou utilise à grande échelle un tout nouveau moyen de locomotion, les chevaux, et qui en plus utilise à grande échelle de nouveaux outils et armes faits d'un nouveau métal, le bronze, inconnu chez les populations de fermiers voisines. Il n'y a aucune preuve que ce sont les Yamnaya qui ont domestiqué le cheval en premier, mais il est certain que c'était un des premiers peuples à avoir généralisé son utilisation comme mode de transport. Les Yamnaya, avec les chevaux, charrettes à bœufs, utilisant pour la première fois des roues en Europe et des armes meurtrières faites d'un nouveau métal, avaient un avantage certain pour écraser leurs adversaires. Ils étaient capables de parcourir de grandes distances comme jamais avant et de conquérir de nouvelles terres et pâturages. On peut imaginer facilement comment ces cavaliers Yamnaya envahissaient des peuples en les massacrant, en tuant les hommes et en s'accaparant les femmes et les richesses.
Il y a effectivement quelques traces archéologiques de violences faites avec des armes qui fracassaient le squelette et les crânes de cette époque, mais cela suffit-il vraiment pour affirmer cette hypothèse de guerre et de massacre généralisée à toute l'Europe? Une autre hypothèse avancée par les chercheurs est que ces invasions Yamnaya auraient profité d'une grande pandémie de peste qui se serait produite il y a 5000 ans, qui aurait décimé et affaibli les populations du néolithique. La réalité est qu'en absence de traces écrites, l'écriture a apparu approximativement à la même période, mais seulement au Moyen-Orient. On ne peut ni affirmer ni confirmer aucune de ces hypothèses. Quoi qu'il en soit, les données génétiques sont formelles. Ces invasions étaient principalement masculines. Il y a eu un remplacement presque complet de l'ancien chromosome Y des fermiers par le nouveau chromosome Y venu des steppes. On estime que les nouveaux migrants était constitué de 14 hommes pour une seule femme. D'après une étude réalisée chez 271 individus ayant vécu entre 9000 et 3500 ans avant le présent, parue dans Science en mars 2019, un grand remplacement a eu lieu en Espagne et en Angleterre il y a 4500 ans. D'après l'auteur principal de l'étude, le docteur David Reich, les Yamnaya sont les principaux ascendants des Européens d'aujourd'hui. 90% de l'ADN des anciennes populations vivant en Angleterre avant l'arrivée des Yamnaya a disparu en seulement quelques siècles après l'arrivée de ces derniers. En Espagne, 60% de l'ADN des populations locales a été remplacé par celui provenant des steppes. Encore plus surprenant, 100% de l'ADN du chromosome Y des individus masculins du néolithique a été remplacé par celui des mâles Yamnaya. Les lignées masculines ont été anéanties par les envahisseurs. Il n'existe aucune trace de massacre à grande échelle, mais il est clair que les nouveaux migrants étaient principalement des hommes qui ont eu un grand succès reproducteur auprès des femmes néolithiques. Ces cavaliers Yamnaya et leurs descendants se seraient propagés dans un très vaste territoire de la Scandinavie au nord, au Pakistan et à l'Inde au sud, de la Grande-Bretagne au sud de l'Europe à l'ouest, à la Mongolie à l'est. Ce vaste territoire correspond aux zones où les langues indo-européennes sont parlées actuellement. La plupart des langues européennes, les langues romaines comme le français, l'espagnol, le portugais, les langues germaniques comme l'anglais et l'allemand, les langues slaves comme le russe, le polonais et le bulgare, les langues baltes et celtiques, mais aussi les langues indo-iraniennes, ont toute une origine qui proviendrait du proto-indo-européen parlé par ce peuple Yamnaya. Les Yamnaya auraient dominé ces peuples qui auraient adopté leur langue. D'après les linguistes, il existe des mots qui auraient une racine commune dans toutes ces langues, ce qui, bien sûr, traduit une origine ancestrale commune. Nous reviendrons sur ce sujet dans une autre vidéo. Merci de soutenir la chaîne et à la prochaine vidéo.